Buenos días. Yo soy Antonio López Gulía, jefe de área de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de Información del Gobierno de Canarias. Y vamos a empezar con la primera mesa, donde vamos a explorar la situación de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, en este caso en Ghana, Kenia, Senegal, Mauritania, Cabo Verde y Costa de Marfil. Para ello, los ponentes que están aquí pues nos van a explorar las diferentes planificaciones que tienen en sus países y cómo abordan el fomento de las TIC, sobre todo en lo que es el fomento de las TIC en las pymes como elemento de competitividad, lo que llamamos nosotros economía digital. Por otra parte, el fomento de la sociedad de la información en todo lo que es la sociedad en general. Me imagino que harán especial hincapié en las administraciones, cómo están implantando todo lo que es la administración electrónica. Y, por último, también muy importante, que es otro de los pilares básicos, por lo menos en nuestra planificación, que es todo el despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones, lo que nosotros denominamos la banda ancha ultra rápida. Pues seguramente también ellos nos van a decir cómo es su planificación y en qué objetivos quieren alcanzar y en qué fase están ahora. Vamos a darle a cada ponente pues sobre 10 minutos y empezamos por Mohamed Lemin Ul Salihi, que es el director general de las TIC del Ministerio de Empleo, Formación Profesional y Tecnología de la Información y Comunicación de Mauritania, donde dicho ministerio tiene como misión fundamental la determinación y la puesta en práctica de los criterios estratégicos en materia de tecnologías de la información y la comunicación, el desarrollo de las infraestructuras de interconexión y los protocolos de intercambio a nivel nacional. Venga, empezamos. Donc, bonjour, merci beaucoup à Casa Africa pour ces occasions qui permettent de renforcer plus la coopération et à la fois bilatérale avec l'Espagne, avec les îles Canaries, mais aussi multilatérale avec tous ces pays-là. Je vais donc être très court. Je pense qu'en Mauritanie, on accorde beaucoup d'importance au développement des nouvelles technologies globalement. Nous pensons que c'est vraiment l'avenir du développement économique et social. C'est quelque chose qui est partagé, heureusement, avec la population, avec les jeunes aussi. Ou d'ailleurs, une start-up de Mauritanie, tout à l'heure, ça a été dit ce matin, assiste à ce déplacement-là. Donc, en Mauritanie, pour parler du secteur des nouvelles technologies globalement, il est encadré par une stratégie qui vise à développer plusieurs axes. L'axe innovation et entrepreneuriat n'est pas le moindre de ces axes-là, parce que c'est là, en fait, où nous pensons qu'il va y avoir des créations d'initiatives qui permettent d'enrichir et d'élargir le tissu économique dans le domaine des nouvelles technologies, qui reste encore aujourd'hui limité, mais qui ne peut se développer qu'à travers le développement des partenariats avec l'entrepreneuriat et le développement des hubs technologiques pour que les jeunes s'intègrent plus dans ce secteur-là. La Mauritanie a commencé par développer en premier lieu les infrastructures du haut débit. Effectivement, le haut débit est quelque chose qui est considéré comme vraiment le climat et le préalable pour le développement de ce secteur-là. Donc, non seulement le secteur télécom a été libéralisé, ce qui a permis l'initiative privée forte et des investissements communs, étrangers et nationaux qui ont permis un certain développement via trois opérateurs télécoms, mais aussi l'État a cherché à soutenir ce développement en finançant les backbones permettant d'interconnecter les capitales régionales et en encourageant les opérateurs télécoms à s'occuper de l'accès final, qui est tout ce qui est accès. Donc nous essayons de mettre en place tout ce qui est transport interurbain et nous encourageons les opérateurs télécoms à avoir une bonne couverture pour tout ce qui est accès. Le développement, le premier résultat est un développement de l'Internet important via le mobile, mais encore un développement limité via tout ce qui est filaire. Donc l'accès très haut débit via le filaire
est quelque chose que nous sommes en train d'encourager pour atteindre des proportions beaucoup plus importantes que le cas aujourd'hui. Et donc, c'est un secteur où il y a beaucoup de chantiers qu'il faut mettre en place. Et nous espérons beaucoup de coopération bilatérale et multilatérale. Un deuxième secteur qui est plus standard, c'est le secteur de la réglementation. Donc là, l'effort porté surtout sur la mise à niveau de la réglementation, parce qu'il y a des changements importants durant cette dernière décennie. Et donc, il fallait adapter le cadre de, réglementaire qui a régi la privatisation dans les années fin des années 90 et début d'année 2000. Il fallait mettre à jour pour s'adapter maintenant à cette convergence que nous voyons, la convergence des services et des données et de la voix. Et même si nous avons fait une mise à jour, nous pensons qu'il va falloir aussi bientôt faire d'autres mises à jour, parce que nous sommes devant des changements importants aujourd'hui. Tout à l'heure, on parlait des initiatives Facebook qui amènent l'Internet un peu partout. Donc globalement, nous avons ces opérateurs, donc les OTT, les opérateurs over the top, qui aussi sont en train d'avoir une action pas moins structurante que l'action du gouvernement et qui nécessite une coopération régionale importante pour qu'elle soit guidée dans les choix régionaux et qui nécessite quand même une certaine régulation et qui ne peut être régulée que dans un contexte régional, d'où c'est l'importance des contacts ici avec les îles Canaries qui sont un partenaire voisin en plus de nous et avec les autres pays africains qui sont tous des pays de notre région. Donc ça, c'est concernant le cadre réglementaire. Nous avons l'axe e-gouvernement. Beaucoup de choses restent à faire parce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on réussisse. Les efforts de l'État ont porté leurs fruits avec une avancée importante dans le domaine du doing business. Ça c'est par rapport aux procédures des entreprises. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire pour que les citoyens puissent faire toutes ces démarches via l'administration électronique. Nous accordons aussi beaucoup d'importance à ce qui vous intéresse sûrement le plus aujourd'hui, à savoir les hubs technologiques. Donc, nous avions entamé en collaboration d'ailleurs avec nos voisins du Sénégal via le CETIC de Dakar une étude sur les incubateurs et une étude aussi plus ambitieuse avec le groupe Atos français sur les technopoles. Donc le gouvernement mauritanien s'oriente vers la mise en place de plusieurs technopoles et dont sûrement la première, la technopole dans le domaine des nouvelles technologies. Et dans ce cadre, nous comptons beaucoup sur les initiatives privées. Nous pensons que ce qui va beaucoup développer, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'initiative des jeunes, l'initiative privée. Donc via les différentes initiatives qui existent déjà dans le pays, mais qui nécessitent beaucoup d'échanges et de coopération avec d'autres hubs technologiques. Donc nous pensons qu'on peut profiter vraiment de cet événement pour travailler sur des projets qui nous tiennent tous à cœur. Et sans rentrer dans les détails, il y a beaucoup de projets en commun. Donc le dernier axe sur lequel nous travaillons est celui du développement des systèmes d'information sectoriels pour mieux maîtriser tout ce qui est stratégique pour le pays, comme les données géographiques, où nous sommes inscrits aussi dans le cadre du système d'information, dans une approche open data, open gouvernement, où nous venons de mettre en place un plan qui vise à, dès à présent, par rapport au système d'information qu'il faut développer, de prendre en compte l'approche d'ouverture des données, afin qu'il y ait une cohérence entre ce que nous faisons
et afin que les acteurs des différents tech hubs puissent avoir demain les données nécessaires au développement de leur application. Je ne vais pas m'attarder plus, je préfère plutôt s'il y a des questions particulières y répondre. Globalement, c'est ça ce que je peux dire. Merci. Gracias, Mohamed. A continuación interviene Francisco Lima, que es el presidente de la Agencia para el Desarrollo Empresarial e Innovación de Cabo Verde, ADE, que es la sociedad de derecho público cuyo objetivo es promover la competitividad y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. También es objetivo la innovación, así como la promoción y el mejor uso de la capacidad instalada en virtud de la política de desarrollo de la industria, el comercio, la agricultura, el turismo y los servicios, que se define por el Gobierno, dirigido especialmente a mejorar el entorno de innovación y las nuevas tecnologías. Muy buen día. Moi, j'ai une présentation en portugais, parce qu'on parle portugais, mais de toute façon, je vais parler français. Je vais le faire en français pour qu'on puisse le comprendre. D'abord, pour saluer le directeur général de la CAS Afrique, M. Louis Padron, et toute l'organisation, les collègues qui sont là. Je vais parler un peu sur la situation de l'éthique, les technologies d'information au Cap-Vert, juste pour donner quelques données et quelques données. Et ma collègue, après, doit parler sur les incubateurs au Cap-Vert. Bon, Cap-Vert, on a osé faire des révolutions dans la technologie d'information. Et à l'année 2015, on avait 47 positions dans le niveau mondial du ranking de développement d'implémentation de technologies d'information. Et pour nous, pour un petit pays comme Cap-Vert, pour nous c'était bien, mais c'était un grand défi, parce que ça nous pose des défis pour qu'on puisse travailler surtout pour les entreprises. Parce qu'on a bien travaillé pour le secteur public, mais le secteur privé, c'est maintenant qu'on vient de commencer à travailler pour le secteur privé. Les services mobiles, on a une couverture de 114%, l'Internet 59%. Ça veut dire qu'il y a des conditions qu'on puisse développer les technologies d'information au Cap-Vert. Juste pour donner quelques données sur les infrastructures, on a l'agence pour les communications, c'est l'agence qui fait la réglementation de la communication. On a le NOSI, c'était le grand entité qui a poussé les technologies d'information au Cap-Vert. C'était une institution du secteur public, ce n'est pas du secteur privé. Ça veut dire que c'était le secteur public qui a poussé les initiatives sur les technologies d'information au Cap-Vert. Et on a l'ADI, c'est l'Agence de développement empresarial et innovation. On travaille surtout l'innovation pour le secteur privé. On fait les liaisons entre le secteur public et le secteur privé. Dans le secteur privé, on a deux opérateurs de télécommunications, quelques entreprises de TIC, ce sont surtout 5 ou 6 entreprises de TIC, ce n'est pas beaucoup. Et on a des startups qui commencent à pousser maintenant, surtout avec les incubateurs. Les instruments, on a un plan stratégique pour la société d'information, un plan stratégique pour la gouvernance électronique et un conseil stratégique pour le cluster TIC. On a commencé de travailler le cluster TIC. Les infrastructures, on a des bonnes infrastructures. On a les liaisons avec l'Atlantique 2 et AWACS. Ce sont des câbles de sous-marins de fibre optique et qui font la liaison entre le Brésil et toute l'Afrique et l'Europe. Et aussi, on a l'infrastructure satellite. On a une liaison de fibre optique dans toutes les îles. Et là, on a un réseau
un réseau de l'État pour toutes les communications du secteur public. On a un data center qu'on vient de construire, c'est de l'État aussi. Et on a un projet de parc technologique on a déjà le projet, mais on n'a pas à ce moment-là le parc technologique. Et les incubateurs TIC qui seront les grandes entités pour pousser surtout les startups. Mais aussi, je voulais parler surtout de la volonté politique du gouvernement. On a changé du gouvernement et le programme du gouvernement de cette législature, là, c'est clair, surtout sur l'intégration dans la CEDEAO et la gouvernement, basée dans les technologies d'information et communication mobile et gouvernement, accélération des start-up et surtout l'innovation et développement de l'État, l'administration et les entreprises. Ça veut dire qu'il y a une volonté politique très, 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 très forte pour qu'on puisse travailler tout le secteur de technologies d'information. Dans le secteur public, on a bien travaillé, comme vous l'avez déjà dit, et on a fait des grandes réformes. Toutes les réformes du secteur public sont basées surtout sur la technologie d'information. On a un data center où on peut faire le web hosting, virtual server hosting, server housing. Mais surtout, on a bien développé des softwares pour le e-government. Le SIGOV, c'était pour les finances publiques. C'est une plateforme très, très forte pour les finances publiques, pour la gestion budgétaire et financière. On a développé le système d'identification et authentification civile qui nous permet aussi pour travailler la question des élections et toute l'identification civile. Le système pour les SIM pour les mairies, pour les municipalités, le système d'information territoriale, le système d'information pour les élections, que ça nous permette d'avoir les résultats des élections une heure après qu'on ferme les votations, on peut avoir les résultats des élections. Pour l'éducation, pour nous, c'est aussi très important. On a développé le SIG pour l'éducation. On a le M-Connect pour les citoyennes. Ça nous permet de fournir l'Internet gratuit dans tous les parcs pour les jeunes, pour que les jeunes puissent utiliser l'Internet gratuit. Et aussi, on a un grand programme pour l'éducation, c'est le Monde Nouveau, où on travaille sur la capacitation et l'innovation des professeurs et on fournit des tablettes et les portables pour tous les étudiants dans l'école publique et privée, mais surtout pour le secondaire et le primaire. On a beaucoup de défis. Notre grand défi, c'est le prix de l'Internet. C'est très cher au Cap-Vert. Et on a le défi de créer un secteur privé fort parce que le secteur privé c'est beaucoup faible et on pense que d'ici on peut voir l'expérience de partager l'expérience de notre voisin du Sénégal, Mauritanie et Canaries pour qu'on puisse bien travailler la question du secteur privé et améliorer le climat pour qu'on puisse avoir des start-up et surtout doter le pays des politiques publiques et incentives pour qu'on puisse avoir des entreprises et pour qu'on puisse aider les entreprises du Cap-Vert pour l'internationalisation. L'ADI, le rôle de l'ADI dans tout cela, c'est surtout de facilitation pour qu'on puisse avoir des start-up, pour qu'on puisse travailler bien le secteur privé
surtout dans la question de information et communication, mais surtout pour opérationnaliser le réseau des incubateurs ou l'incubateur TIC. C'est un grand projet qui on a commencé maintenant, mais qui d'ici à 2 ans, on doit le déplacer pour le parc technologique où on est en train de construire un grand incubateur de technologie d'information et que on peut donner des conditions aux jeunes pour qu'ils puissent développer leur projet. Bon, je pense, c'est 10 minutes. Bon, le modérateur m'a dit que c'est seulement 9 minutes, mais merci à tous. Obrigado. En portugués, on dit toujours obrigado. Muito obrigado, Francisco. A continuación interviene Eric Acomiak, su director general de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Ghana. Dicha agencia fue establecida en 2008. Es una institución pública con los siguientes objetivos: regular la provisión de tecnología de la información y las comunicaciones, asegurar la provisión de la tecnología de comunicaciones de información de calidad, promover estándares de eficiencia y garantizar una alta calidad de servicio. Good morning. Gentlemen, my name is Eric Acumia. I work with the National Information Technology Agency, and I just want to give you a quick overview of our ICT strategy and where we are with this strategy, the kind of interventions, and looking at the future, what things we plan to do. Well, Ghana is in West Africa, and these are some statistics. Because of time, I would not go through. But we, in 2003, started what we call the ICT for Accelerated Development Policy. And this policy is essentially the guiding policy for up to 2020, the development of ICT within Ghana. And of course, it took into consideration other existing policies to, for instance, poverty reduction, and of course, also the advancement of the middle income. And essentially, this policy is a driver in terms of using ICT for accelerated development. Now, the policy has 14 pillars, and I cannot go through everything, but essentially, it goes across different sectors, focus on development of skills and innovation, etc., etc. The policy has about 4 rolling plans, because it's a long policy, and after each of these rolling plans, we normally have reviews of these things. Essentially, the Ministry of Communication is driving this policy, and it's to promote the development of communication infrastructure and services for national development. And of course, this includes development of human resources, promotion of e-government infrastructure, and then of course, streamline and update regulatory laws and legislations, etc. Of course, this is to support the development of ICT industry, research and development. So it cuts across not only public sector, private sector, etc., etc. Now, as a result of this policy, we developed a number of projects, and the primary one was the eGhana project, which after 3 years of this policy being in place was started. And this was a World Bank funded project, and with 40 million, and the idea was to ensure that we had certain basic things in place and to generate growth and employment in leveraging information technology. And as a result, we needed to put a number of things in place and set up an institution that actually will ensure that a lot of these projects are properly managed to move forward. And so we started with a 40 million project to put basic infrastructure in place, put a regulatory and other infrastructures that were lacking
And then, of course, as we went on, we had to add additional funding from the World Bank, Exim Bank, etc., etc. And I just want to put together some of these things that has been done. Now, as part of the eGhana project, we needed to put institutional, regulatory, legal frame environment so to promote the growth of ICT, both in the public sector and the private sector. So the Electronic Communications Act, which regulates communication generally, was enacted in 2008. The Electronic Transaction Act, which regulates electronic transactions, were also enacted in 2008. We also have the National Communicating Act, Communication Authority Act. Of course, this entity has existed since 1996, but this act actually looked at the different aspect of this organization and has put in place an organization that will move the whole process forward. The National IT Agency, where I come from, was established as the ICT regulator away from the communications regulator so that we can actually drive this process. Now, one of the first things that we did as an institution was to put in place for public sector an enterprise architecture and e-government interoperability, because government at that time was fragmented in terms of the technologies and things that were being used, so we had to put this together. And then, of course, other guidelines to regulate the communication industry, etc., etc. We also have put in place the Data Protection Act, and a commission has been established and is currently working. We're still working on a number of things to ensure that the environment promotes, you know, especially investments and other things. We're looking at the communication regulations, electronic waste disposal, and then the digital content bill, which has been actually approved into an act. Now, as because of the length of the strategy, 2003 to 2020, we, in the midway, had to review some of these things, and the focus was on our broadband strategy, cybersecurity policy and strategy, geo-information policy, ICT, climate, etc. So these are the areas where we are reviewing the system. Now, some of the successes we have chalked is that currently we have core fiber infrastructure that spans across the country. We also have an LTE 4G network, and this is public sector that will allow government agencies across the country to connect and be able to use ICT in business, government business. We also have, in some selected cities, high-speed metropolitan area networks, again, so that it can improve government efficiency in doing business. In terms of data center infrastructure, we have a national data center, arguably one of the biggest, with 600 rack space, it's both for public and private consumption. It's a national data center. We have a secondary data center also located in the second largest city, which is about 300 kilometers, just as a backup data center, so that we can replicate a lot of the things, and people who live in the northern part can access government services directly from that data center without coming to the one in the capital. Now, in our focus for e-government development, we have done a number of developments. Currently, we have about 11 e-services applications across government services. We have also developed an e-payment platform to integrate government services with all the things that has to be done. We're working on a number of other e-services, including immigration, health, parliament, and, of course, cabinet, which has also been covered. Now, as a result of the infrastructure, all government agencies in Ghana can access different services from NITA, and that includes for government agencies that want to develop applications that require workflow. We have a shared platform that can do that. We also have internet services, infrastructure as a service, so we commission virtual service to government agencies rather than physical service. We have data access, so you can interconnect different
government agencies across the country so that they can share information. These are some of the public service e-services that we have also commissioned and is currently available and working. In terms of government proper, we have developed what we call the e-workspace, which is essentially enabling government to work using ICT. And one of the things that we're doing is to try to focus on moving to a paperless office. So we are trying to automate our correspondence management. We are automating our document management systems, and we're developing individual intranets for the different government agencies that we have. Now, the future focus is to ensure that citizens have proper digital identity, and of course that is focused on trying to cap down on some of the cyber crimes and other things that take place. We are focusing in the next 4 or 5 years on developing iHubs, and I think this meeting will actually give us, we're actually started to work out, you know, to the TORs and other things for companies that can assist us actually develop these hubs, and that is one focus. We already have an open data initiative, but we are trying to strengthen it and make sure that we can do, government officials can actually use it for evidence-based decision-making. And so we are enhancing it with analytics so that we can improve on how government makes decisions using availability of data. We are finishing a number of e-services that we have started essentially in the three arms of government, e-justice, e-parliament, and of course the e-cabinet and other services. And of course, we are also focused on an e-health that will interconnect all our government hospitals. We have a pilot with three hospitals, one teaching, one regional, and one district, and we want to expand that in this project. And then the last thing we're focusing on is the education. So we're trying to connect about 200-300 schools, and we want to put in place a teacher's portal where content can be uniform and other things. We have distributed laptops in the past to many students, but there was no content, the use was not, so we want to correct that and put a number of these things in place. So essentially, this is what Ghana looks like. And as a result of some of the policies, currently we have 6 mobile operators operating and about 5 submarine cables landing in Ghana. And the result is that we have about 135% voice connectivity and about 72 data. And last year, 2015, we were ranked 46 for data, mobile data usage, and the first country in the Africa region. So we have a very fertile environment for promotion of apps and developments, and I believe that I will go out of this conference learning from other places and how we can actually improve and take advantage of the environment. Thank you. Thank you, Eric. A continuación va a intervenir Eunice Kariukin, que es la directora de Colaboración, Innovación y Capacidad de la Autoridad TIC del Ministerio de Información y Comunicación y Tecnologías de Kenia. Esta autoridad, que se estableció en el año 2013, es una institución que se encarga de aplicar las normas TIC en el Gobierno y mejorar la supervisión de la comunicación electrónica, y también promueve la alfabetización digital, la innovación y las empresas en el sector TIC en consonancia con el Plan Nacional TIC 2017 de Kenia. I think I want to start by saying good morning. Good morning. The Director General of CASA Africa, all the officials of the various governments represented here and other institutions,
I am grateful to have had the opportunity to attend this event in my capacity as a representative of the Principal Secretary in the Ministry of Information, Communication and Technology. We have treated you to a musical chairs dance over here, so I insisted I'll sit here. Let me start by saying that yesterday when I was flying over here, and that journey took unusually long, I'm still looking for e-solutions to make this journey shorter, because it shouldn't have taken me 24 hours to get to Canary Islands. However, when I was in the plane, there was internet and very good content, and that helped me to deal with the monotony of being on air. But something else broke my heart when I was connecting between Madrid and here, because the person I sat next to told me that he was going to fly to Kenya to Tanzania next month, but would not stop by Kenya, because I said, why? That is unusual. And he told me that he could not do that because there is insecurity. And therefore, I thought I'll take this brief moment to just say in this forum, Kenya is secure and is not any more insecure than any other part of the world. That is why we have our ears, our noses, hands, everything, and we were able to travel all the way here. Having said that, I will not take for granted that everybody knows where Kenya is. So if you imagine that when you're standing, you are the African continent, right? And you put your right hand over the chest onto your left hand, that is exactly where Kenya is, all right? Imagine that you are the continent of Africa. You put your right hand over there, and that is where your heart is. You do want to come to Kenya. If you have not come to Kenya, it's a great place to be. Of course, today we are talking about technology, innovation, and what our countries are doing. So I thought it, and based on the brief that I got, to share the National ICT Master Plan. And having said that, I'm happy I'm sitting next to Mr. Atta here. Is that right? Because everything you have heard about Ghana is completely similar to what we have in Kenya. Our national vision is Kenya becomes, for ICT, Kenya becomes a top 10 global ICT hub. In Africa, we had aspired to be a top 3, and we are there, and Ghana is our peer in that top 3, and we share similar achievements, similar strategies, and so on and so forth. So in the interest of time, I will take you through the National ICT Master Plan, and to kick the conversation off, I want to start by saying the achievements that we realize today is because of absolute ownership of the ICT agenda by the top leadership, the president, and it stretches back to early 2000, when we got our first national ICT policy, and that followed a spirited commitment by the president then to make Kenya an ICT hub, and to do that he had to convince the parliament, who then was able to begin to approve budgets, including expenditure in government. Soon after, a ministry was created and the regulatory bodies, and deregulation followed. And as a result, we have had structured planning, starting with the National Vision 2030, and that is the national print that guides our development across the board. From there, we have ICT as one of the flagship projects, and we have various other policy documents to guide what we do in the space of ICT, including a public-private partnership framework. The first ICT strategy was launched in 2016, and it focused, one, on the supply side, and that addressed infrastructure, because until then, we did not have any undersea cable. Today, we have more than 5, and we consider ourselves lit. We are not in the dark anymore. The second strategy was to address demand side, and demand side was to be addressed through concerted effort to build capacity and put in place content policy
and fix government so that government actually makes one of the biggest consumers. Following on, we have experienced amazing adoption of ICT and innovation. Kenya's story about ICT and innovation requires no introduction to the world. However, in 2014, we decided to have a structured ICT master plan. We have the National ICT Master Plan to universally unify everybody across government and across the country about what they are doing so that we are heading to the same direction. We aspire to be a knowledge economy and to address, use this document to address the key challenges that continue to hold the key players in the ICT space from playing their critical role. The National ICT Master Plan, I said it looks quite similar to the Ghana one, has three pillars. To have ICT as a driver of industry, enhance public value, so sick of citizens complaining about bad service, but most importantly, leverage innovation and ICT to create many more ICT businesses. To be able to do that, we needed some foundations. And the first one is e-government services and applications, build human capital and supply the industry with relevant skills, have an integrated ICT infrastructure and an integrated ICT information infrastructure. We consider those as critical before we can start anything. And even the regional governments are informed by this same ICT master plan based on which we have developed for them, for the regional governments, their own regional ICT or county government ICT master plans. We have within the plan five pillars again, and they were listed earlier, so I will not dwell on this. We have, yes, that's them. And so I will just go straight to each one of them. We have an objective. And for for each objective, we have specific projects that we have been implementing to realize specific impacts. So the first one is integrated ICT infrastructure. And the idea is to support provision of reliable, secure, affordable connectivity across the country. The projects there provide affordable, aspire to provide affordable and quality broadband, create school community networks, health, promote health through shared services, and secure ICT infrastructure so the users can actually begin to trust to use ICT. So there is a big objective, which is to create trust in the infrastructure that is provided by government and also to private sector. The outcomes for these particular ones is very, very ambitious. We hoped to get increased coverage. Look at the numbers that we aspire to have there in terms of coverage. High quality broadband. Look at our target of 99.9%. We have not reached there, but we are working very, very hard with the private sector and the providers specifically to be able to hit this target. And then make the internet affordable. If we do this, we expect to be able to contribute more into our GDP and borrow less. Project area number two, is integrated information infrastructure. Now, we always hear about bad service, poor service from government and all of this. The real reason is because government has been operating in silos. So the objective of this project area is to integrate government various agencies so that they can begin to dip into one database and begin to serve citizens without having, and also save on investment on ICT. What we had is every ministry with its own data center, network, everything, duplication, and we waste the resources. So the whole idea is to have a core flagship projects like companies registry to be digitized, integrated persons registry, a reliable single database where we can double check. And I want to point out that we talk about mobile money. Kenya is synonymous with mobile money.
Mobile money cannot happen if there is no reliable database of people. So this is absolutely critical, and all the providers of mobile solutions deep into this infrastructure to be able to validate the users. And that way we begin to earn the trust. We are still working on national spatial data. It requires a bit of time and some other foundational systems to be put in place. Assets registry, this refers specifically to land, which is often used to borrow. And if it is not trusted, then banks will not lend money, then money will not get to private sector. And middleware platforms to be able to support the systems that run. The key outcomes here is to have an enhanced public data registry, and I've already sort of explained that. Transparency, and we continue to hear about huge cases of corruption. So this drives investors away, including the investors we want to come to Kenya. And we are here, I'm here with my colleague Kirui, because we are hoping after this forum we can begin to get investors from Spain looking into Kenya, but they will not trust us if we don't have trusted system and transparency, and then improve services. For this particular one, we hope, and we are working, we have already registered some milestones, all government services to be received through one portal, and this portal is alive, and I want to say it has been created with resources and intellectual property from the tech hubs that have been pulled to partner with government. And now we offer a wide range of services from this central portal. The third one, I'm very much out of time, is human capital. I think the whole idea here is to have a population that is readily employable with the right skills to develop technology, and especially to address the technology needs of the tech hubs. I will skip the projects there because you can see them and go to the outcomes. That's them. And point out that the government is putting digital devices in schools, primary, right from primary. That's how determined the government is, so that they can start from grade one as they go up. And the idea is to supply relevant skills across the value chain of innovation. E-government services, again, the idea is to have every department making reference to a central database and having applications that are built in collaboration with the innovators to be able to offer services, and we have registered major milestones there. Those are the outcomes. Let me just sum it up by saying we want a happy citizen who doesn't care how the service is reaching them, but it should be smooth, user-friendly, and most importantly, available on the mobile device, because over 80% of access is via mobile devices in my country. ICT as a driver of industry, together with developing ICT businesses, are related. The whole idea is to leverage innovation, to be able to develop applications that will improve productivity across the economy, be it in agriculture, be it in farming. And Kirui will talk about some of the innovative applications that are currently improving productivity in Kenya. This is one of the most ambitious targets that we have, but the bottom line is that we want to create jobs and we want wealth in the pockets of Kenyans so they can uplift their living standards. And the only way we know how, because we don't have enough minerals, we don't get enough rain, right, is to utilize the youth population, and that is our greatest asset. How do we do this? We have a very good governance structure. The champion, like I said, there is a president. Then it is all driven from the Ministry of ICT, but in strict collaboration with all the other ministries and agencies, we consider them the customers. They are the subject matter expertise. The Department of Immigration, they are the expert in immigration, so we work with them. I think this is just a chart to show how the projects are conceived and they flow through. We are governed by government procurement laws, and those are very strict, but we have divided the responsibilities with our other peers, and so far we are doing pretty well. That is all from me. I have exceeded by almost five minutes, but that is the story of Kenya. I leave it to my colleague Rui to really talk about what really is happening in the innovation space.
sorry for taking 5 minutes. Thank you, Miss. A continuación y por último, para terminar esta mesa, interviene Raki Selle Samp, que es la jefa del Departamento de Seguridad y Sistemas de Información del Ministerio de Telecomunicaciones de Senegal. Dicho ministerio tiene como misión fundamental implementar políticas para el acceso a las tecnologías, así como las infraestructuras y conectividad a Internet, así como promover políticas para el uso de las nuevas tecnologías en el sector privado y la sociedad en general. Merci, monsieur le modérateur. Bonjour à tous. D'abord, nous remercions Casa Africa d'avoir convié le Sénégal à cette importante rencontre. Ma présentation donc va porter sur la stratégie Sénégal numérique donc 2025. Donc avec comme plan d'abord une petite introduction avant de parler donc du contexte des TIC donc au Sénégal, puis les enjeux stratégiques donc de ce plan d'action. Puis je vais parler de la stratégie proprement dite, qui est un peu similaire à celle du Kenya, avant de conclure. En effet, la stratégie Sénégal numérique 2025 est un fruit d'un dur travail interministériel, avec la collaboration de tous les acteurs de l'écosystème. Donc aussi, cette stratégie répond parfaitement au plan Sénégal émergent, aux ambitions plutôt du gouvernement sénégalais, qui dans le suivi de son plan Sénégal émergent, entend faire du numérique un moteur de développement économique et social à l'horizon 2025. La vision donc de cette stratégie est, en 2025, le numérique pour tous et pour tous les usages, avec un secteur privé dynamique et innovant plutôt, dans un écosystème performant. Donc, le numérique au Sénégal est considéré comme l'un des moteurs de croissance de l'économie nationale. Aussi, en Afrique, le Sénégal est classé premier africain pour le poids d'Internet dans l'économie et PIB, qui est estimé à 3,3%. Du fait notamment donc d'une très bonne connectivité internationale avec les câbles sous-marins dont nous disposons et d'un très bon réseau national de transmission. Par ailleurs aussi, les infrastructures de télécommunications et TIC couvrent près de 64% de la superficie du pays et assurent un taux de 82% de couverture de la superficie habitée. Par contre, les coûts d'accès aux services de télécommunications et TIC demeurent toujours élevés par rapport aux autres pays selon le classement de l'UIT de 2015. Aussi, l'état de préparation des secteurs prioritaires tels que la santé, l'agriculture, l'éducation sont encore à un stade d'incubation. D'où l'établissement d'un plan d'action qui repose donc sur 3 piliers et 4 axes en vue d'atteindre la vision 2025 que nous sommes fixés. Donc les enjeux stratégiques qui ont été établis, donc il y en a 6, qui sont donc l'actualisation du cadre juridique et le renforcement de la gouvernance du numérique, l'intensification de l'aménagement numérique donc, du territoire, l'amélioration de l'accès aux réseaux et services numériques des entreprises, des administrations et de la population, mais aussi la transformation économique et sociale par la diffusion du numérique dans les secteurs prioritaires identifiés dans la réalisation du plan Sénégal émergent, l'optimisation de la contribution du secteur à la croissance économique et enfin, la promotion des technologies innovantes. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons donc 3 piliers qui sont le cadre juridique et institutionnel, le capital humain et la confiance numérique. Et 4 axes qui sont un accès abordable et ouvert aux réseaux et services du numérique, une administration connectée aux services des populations, la promotion d'une industrie du numérique innovante et créatrice de valeur, et enfin, la diffusion du numérique dans les secteurs économiques prioritaires. Donc, concernant le prérequis 1, qui est donc le cadre juridique institutionnel, donc pour atteindre donc cet objectif, il nous faudra d'abord mettre à niveau le cadre juridique du secteur des télécommunications et TIC, qui est un projet qui est actuellement en cours de réalisation, mais aussi améliorer la cohérence et l'efficience de la gouvernance institutionnelle.
Donc toujours dans le cadre juridique institutionnel, là donc nous avons les réformes et les résultats attendus de ce cadre suite à la mise en place de ce cadre. Donc qui sont, il y aura donc la mise en place et l'opérationnalisation du Conseil national du numérique appelé IT Board, l'élaboration de la lettre de politique sectorielle qui est aussi en cours, l'actualisation du code de télécommunication et des textes de la société de l'information, c'est aussi en cours de réalisation. Il y a aussi le regroupement au sein de mes ministères des structures publiques chargées de mettre en œuvre la politique définie dans le domaine du numérique, mais aussi la mise en place de l'Observatoire national de l'économie numérique qui est aussi en cours et la mise en place d'un tableau de bord de pilotage de la stratégie Sénégal numérique. Donc concernant le préquis 2 qui est le capital humain, là donc nous allons renforcer la formation professionnelle et rendre opérationnelles les compétences requises pour impulser la créativité et l'innovation. Aussi, le numérique sera très tôt introduit dans les curricula de formation à partir du cycle primaire et il sera généralisé au niveau du cycle supérieur. Aussi, nous prendrons en compte l'apparition de nouveaux métiers et l'évolution de la demande en compétences spécialisées des entreprises TIC. Il s'agira enfin de mettre l'accent sur l'élaboration de la mise en œuvre d'un plan d'urgence de formation pour satisfaire le marché de l'externalisation de services, BPO et TES, un programme spécial de soutien à l'innovation, mais aussi le lancement de filières spécialisées dans les domaines émergents à fort potentiel, tels que le Big Data, l'Internet des objets, etc. Donc toujours dans le capital humain, là nous avons les réformes et les résultats attendus du capital, qui sont donc liés à l'introduction du numérique dans les curricula de formation et la création de filières de formation adaptées. Adapté à la demande. Le dernier prérequis donc concerne la confiance numérique. Là, nous allons mettre un dispositif national de cybersécurité qui consistera à établir d'abord un fichier central des infrastructures nationales critiques, d'élaborer une politique de cyberdéfense en relation avec les structures concernées, de mettre en place des centres d'alerte et de réaction aux attaques informatiques appelées CERT, et enfin de créer une structure nationale de cybersécurité pour la coordination des initiatives de la coopération sous-régionale et internationale en matière de cybersécurité. Donc là, ce sont les réformes et les résultats attendus de ce prérequis 3. Donc il s'agira de créer une agence nationale de cybersécurité qui est actuellement aussi en cours, l'élaboration de documents de politique nationale de cybersécurité et de lutte contre la cybercriminalité. Donc pour les axes, d'abord donc, nous avons défini comme premier axe d'offrir un accès ouvert et abordable aux services aux réseaux et services du numérique. Là, pour ce faire, il nous faudra d'abord avoir une bonne couverture en fibre optique, rendre disponibles les services Internet haut et très haut débit, fixe et mobile, aussi promouvoir le service des télécommunications, l'accessibilité aux services des télécommunications et TIC. Aussi, il est important d'avoir une administration connectée aux services du citoyen et des entreprises. Là, donc, nous sommes fixés donc comme orientation d'améliorer l'efficacité et la synergie au sein de l'administration publique, d'accélérer la numérisation des procédures administratives, améliorer la transparence et la participation citoyenne. Donc là, donc à droite, vous avez les réformes et les résultats attendus pour ces deux axes. Donc pour chaque point aussi, il y a des projets identifiés, mais je n'ai pas mentionné dans la présentation. Donc pour l'axe 3, là, il s'agit donc du domaine de l'industrie numérique. Donc là, il va falloir promouvoir une industrie du numérique innovante et créatrice de valeur. Afin donc il faudra donc améliorer l'environnement de soutien au secteur privé local, promouvoir l'investissement et l'exportation de services, et enfin favoriser l'accès au marché. Donc là aussi, à droite, comme toujours, on a les réformes et les résultats attendus. Donc la mise en place d'un fonds d'appui à l'entrepreneuriat et à la promotion du numérique, l'octroi de lignes de crédit aux petites et moyennes entreprises TIC, la réforme du code des marchés publics pour alléger les conditions entraves pour l'accès à la commande publique pour les PME, l'adoption des textes de renforcement des obligations pour les sociétés étrangères afin de nouer des partenariats avec le secteur privé, et enfin la révision du décret sur la codette.
Donc, l'axe 4, ce sera donc la diffusion du numérique dans les secteurs prioritaires tels que la santé, l'éducation, l'agriculture. Donc là, nous nous sommes fixés comme orientation d'améliorer la productivité agricole, améliorer donc la sécurité et la sûreté maritime, promouvoir le commerce électronique et les services financiers, développer l'e-santé et la télémédecine, mais aussi contribuer à l'amélioration du système éducatif sur le plan de l'éducation, promouvoir l'industrie culturelle et enfin prendre en compte les objectifs de développement durable. Donc il y a aussi les réformes et les résultats attendus en droite. Ce sera donc la mise à niveau du cadre juridique relatif au commerce électronique et la mise en place des conditions d'interopérabilité entre les différentes plateformes de services financiers électroniques. Donc pour bien donc gérer ce projet, donc nous mettrons en place un dispositif donc de pilotage qui sera constitué d'un comité interministériel qui procédera aux arbitrages et donnera les directives nécessaires pour la bonne exécution du plan d'action, mais aussi examinera l'état d'avancement et la mise en œuvre de cette stratégie. Il y aura aussi un comité technique qui sera présidé par le ministère en charge du numérique et une unité de coordination. Et tout ce dispositif est articulé au cadre de suivi et évaluation mise en place par le plan Sénégal émergent. Donc enfin, pour conclure, nous pouvons dire donc que ce plan d'action repose donc sur 38 réformes et 58 projets, avec un coût global de 1 360 900 000 000 de francs CFA. Donc avec un projet de financement qui s'établira comme suit, le partenariat public-privé 10%, le public 17% et le privé 73%. Donc aussi pour dire, en guise d'information, le Sénégal aussi a obtenu un financement pour la création d'un parc technologie numérique au niveau de Diamniadio à Dakar. Donc dans ce parc, il est prévu d'avoir un centre d'incubation donc qui pourra abriter tous les centres d'incubation donc au Sénégal, dont CETIC Dakar, Jocolabs et Synapse. Donc c'est ça. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Con esto hemos concluido la mesa. En primer lugar, dar las gracias a todos los ponentes por sus exposiciones y también por cumplir los tiempos. Lo previsto era que nos sobrasen unos minutos para hacer si hay alguna cuestión, alguna pregunta, y este es el momento para ello. El que vaya a hacer la pregunta, porque lo normal es que se presente y después haga la pregunta en cuestión. A ver, Patricia, empieza. ¿Cómo que qué? ¿Alguna pregunta? Sobre todo los clústeres, yo creo que tienen mucho que decir, ¿no? Porque las oportunidades de negocio que representan estos países, yo creo que es fundamental en el sector TIC. A ver, hola. Mi nombre es Patricia Fraile, soy la gerente del clúster Canarias Excelencia Tecnológica. Luego ya esta tarde contaré un poco en qué consiste el clúster y bueno, pues ya les explicaré con un poquito más de detalle. La pregunta sobre todo es si dentro de todos estos planes estratégicos para la implantación de las nuevas tecnologías a nivel estatal, ¿tienen prevista alguna política concreta de creación de clústeres empresariales que apoye la creación de esas empresas tecnológicas y la promoción de proyectos innovadores dentro de los países? Cualquiera, porque como son cada uno... Sé que el representante de Ghana sí que comentó algo de clústeres. Sí. Bon. Au Cap Vert, on a déjà commencé avec d'autres clusters, mais à ce moment-là, on travaille surtout sur le cluster TIC. Ça veut dire qu'on doit travailler toute la chaîne de valeur des entreprises, surtout les startups, la création de parcs technologiques et des incubateurs de technologie pour qu'on puisse avoir des startups.
mais on a toute une stratégie de travailler sur le cluster TIC. Eric? Yeah, I think I did mention that we are now beginning to to put in place structures to have a kind of a cluster, ICT packs and, you know, innovation hub, M labs, etc. So it's part of the e-transform project, and we haven't really started anything. So I think it would be good if we can have some discussions to see if we can have some support directly without going through all the process of, yeah. So we'll be happy to have some discussions on this. Thank you. Thank you, Mohamed. Pour la Mauritanie, c'est une orientation qui est, même si au niveau des nouvelles technologies, nous sommes en train de mettre en place les incubateurs et les technopoles, mais c'est une orientation qui d'ailleurs ressort dans un communiqué en Conseil des ministres, je crois qu'il y a une ou deux semaines de ça. Et donc l'orientation du ministère de l'Économie et Finances actuellement, c'est de mettre en place effectivement l'objectif, c'est d'avoir des clusters pour développer l'industrie globalement. Donc je suis membre d'une commission présidée par le ministère de l'Économie et des Finances dans ce secteur-là, et donc c'est quelque chose qui est considéré aujourd'hui comme urgent. Et évidemment, ça ne peut se faire qu'à travers la coopération bilatérale et multilatérale. Donc nous sommes vraiment preneurs de ce qui est déjà fait ici, de comment coopérer avec vous, etc. Merci. Merci. Au Sénégal aussi, nous n'avons pas encore enclenché de discussions sur les clusters. Juste que nous allons donc mettre en place un parc technologique numérique qui va donc abriter donc beaucoup d'entreprises des TIC et aussi des centres d'incubation tels que Diocolabs, CETIC et Synapse, donc qui gèrent certaines start-up au niveau du Sénégal. Aussi donc nous sommes ouverts après pour discuter sur cela et merci. Merci. Thank you. In Kenya, we believe that currently the regulations that we have indirectly already serve the purpose. And I say that noting that technology is an enabler. It can be applied in any sector. Existing Vision 2030 National ICT Master Plan look at already 5 key flagship areas and consider technology cross-cutting. We believe over-regulation is not good for the takeoff, and so while there are efforts to bring similar participants together playing in common subsectors together to be able to bring their collective expertise together, we allow the market forces to continue. What we are, however, trying to do is to create a central body called Enterprise Kenya, which would then help to pull together the collective talents, expertise, and facilitate solving problems that affect such collective areas. So we are looking to work with the innovation hubs. In government, we are already clustered through the various ministries. What is important is that we are open to discuss and learn from other countries what they are doing so that we can see what we are missing and they can get from us what they can learn from our end. There is a place for clustering. Thank you. Gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta. A ver, hay dos, pues muy rápido, empezamos por aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Francisco Santana, soy director general de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Las Palmas. Esta tarde voy a hablar
de nuestro caso de éxito de Smart City, cómo aplicar dos proyectos que nos han dado de 23 millones de euros para hacer de la ciudad una Smart City. Pero ya que los tengo aquí y ya que cuando uno llega un poco más tarde, ¿no?, a la implantación, sobre todo de las TIC, agradezco, Antonio, que hayas dicho TIC y no nuevas tecnologías, que de nuevo ya tiene poca cosa, pocos ya lo dicen. Cuando uno llega un poquito más desfasado en el tiempo, tiene una ventaja, ¿no? Y es que puede analizar lo que se hace en otros sitios de éxito y que se puedan a lo mejor acoplar a lo que toca cada país, ¿no? Entonces mi pregunta concreta es, ¿se han planteado hacer algún estudio de situaciones de éxito que hay en sitios como el nuestro, como en Las Palmas de Gran Canaria, en el que hay proyectos que funcionan muy bien y que se pueden adaptar a los países que representan cada uno de ustedes? Leonis. The natural answer is yes. Before every review of all these plans, we take stock. I didn't mention that for every project we incorporate a monitoring and evaluation process to be able to track successes and take out learnings. So yes, we do plan to do that at the various review levels of all the documents that are guiding technology development in the country. Oui, au Cap Vert, pour nous, par exemple, le tourisme, c'est le secteur moteur de l'économie. Et l'utilisation de la technologie d'information, pour nous, c'est très, très, très important. Et on a commencé de travailler, à ce moment-là, on a travaillé beaucoup sur le e-government, le secteur public. Mais maintenant, on doit travailler surtout le secteur privé. Et on a commencé de voir l'expérience d'autres pays. Et on a déjà visité les îles Canaries pour voir l'expérience des îles Canaries, surtout sur l'application de la technologie d'information dans le tourisme. Merci. Merci pour votre question. Je rejoins donc celle de la dame du Kenya. Donc au Sénégal aussi, pour tous les projets qu'on fait, nous faisons d'abord des benchmarks sur des pays, des cas de succès, avant d'élaborer ces projets. Mais pour Las Palmas, nous n'avons pas encore eu l'occasion de visiter, par exemple, votre parc technologie ou bien vos autres projets que vous avez réalisés ici. Donc, il sera aussi un réel plaisir d'avoir cette opportunité-là. Merci. Merci. Je vais aborder dans ce que disent ma collègue du Sénégal. Les smart cities, c'est quelque chose de très important maintenant parce qu'on ne peut plus continuer à gaspiller l'énergie et à mal préparer le développement urbain. Nous sommes dans un pays effectivement qui a beaucoup changé et donc la population urbaine présente une grande partie et donc réfléchir à une meilleure évolution de ces villes est quelque chose de très important et urgent pour nous. Et nous espérons avoir l'occasion d'apprendre de votre expérience, surtout que nous partageons certains problèmes qui sûrement sont identiques des deux côtés. Donc on peut citer en particulier la rareté de la ressource eau en Mauritanie comme dans certaines îles. Et pas que ça, l'optimisation de l'énergie. Donc la Mauritanie comme l'Espagne n'est pas du tout un pays pétrolier, alors qu'elle bénéficie de certaines ressources d'énergie renouvelable qui sont a priori pas difficiles à exploiter, etc. etc. Yeah, thank you for the question. You know, in Ghana, what we've been doing over the last few years is to put in place the basic infrastructure that can help us access all these kind of applications, including smart cities, etc. And I think that the e-transform, which we started in 2015, focuses on transforming Ghana in terms of the way that we do different things. We have started on a very small note, something with the Accra Metropolitan Assembly on some kind of a smart city, but we have not really scaled it, and we'll be very happy to learn
from, you know, the experience from Las Palmas. Thank you. Vamos ya muy mal de tiempo, pero una última cuestión, muy breve. Merci. Je suis Emmanuel Henao de Joe Collabs, donc on va en parler tout à l'heure. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces contributions. Je voudrais juste rebondir sur ce que le monsieur a dit. Effectivement, le benchmark, les exemples, la collaboration. Le monde digital, les nouvelles technologies, une des valeurs qu'elles portent, c'est la collaboration, la possibilité de mieux collaborer. Et donc, je voudrais savoir, finalement, au niveau des États, comment est-ce que vous collaborez sur toutes ces stratégies, plus spécifiquement le Ghana et la Côte d'Ivoire, puisque moi, je suis en Côte d'Ivoire, et que le Ghana est un pays voisin et frère. Et donc, je vois que les stratégies sont convergentes. Et donc, je me demandais à quel niveau et à quel moment vous vous rencontriez pour créer justement de la valeur commune et de la collaboration sur la mise en avant et l'implémentation de ces stratégies. Eric. Yeah, essentially what we are doing in Ghana is to review a number of things and come out with a new strategy. And that is actually embedded in the e-transform. We want to review the current strategy, which is kind of getting outdated from 2003. And some of the things that we'll be looking at is how to converge all these things and focus on, you know, getting these things to move forward as we go on. So there is a specific component that goes to review the current divergent strategies so that we can converge them and move forward as a country. And we'll be happy to learn more from this perspective as well. Thank you. ¿Alguien más quiere intervenir? Ok, finish. Bueno, pues damos por concluida la mesa. Muchas gracias a todos los ponentes por sus exposiciones.